Bikem qui va faire tourner la roulette, il a fait tourner la roulette. Et on va voir donc le premier match du premier demi qui va être les Anglais UK Players et qui vont jouer contre eux. Donc tu vas tirer une autre fois. Alors bien sûr, si ça retombe sur les Anglais, il faudra retirer. Donc les Anglais vont affronter la team Bretagne. En fait, c'est un peu un match entre cousins, en fait. Les Bretons, la Grande-Bretagne. Ok. Et donc, on a directement le prochain bracket qui sera la team France contre la team suédoise. Donc, c'est parti pour ce premier FT. Donc, j'invite les deux équipes. Donc, l'équipe Bretagne et l'équipe UK. Les capitaines, donc Zouzou et Zerog, à faire un janken, donc devant la caméra qui est juste là. Donc vous faites le janken devant la caméra, que tout le monde voit bien, voilà. Là vous êtes, c'est parfait, vous êtes à la bonne distance, les capitaines Zouzou et Zerog. Pardon, contre les Anglais, pardon, excusez-moi. Captu, sorry, it's UK versus Bretagne. Donc la team anglaise menée par Captu. Alors faut que vous décaliez un tout petit peu par là. Non, c'est par là. Voilà, vous voyez à la télé. Voilà, c'est parfait. Donc vous faites le janken pour déterminer de quel côté vous avez commencé et le joueur. Ok, donc do you want to know their first player or to choose the side? Ok, donc la team Bretagne va devoir annoncer donc le premier joueur qui sera donc Tilly. Je crois que c'est plus deux, ouais. Ok, donc le premier match. Donc ça va être notre ami Cactu qui va jouer Elena contre le Gookie de Tilly. Allez, c'est parti. Cactu qui est très très fort au niveau de ça, Elena. Elena qui fait très très mal sur Rookie. Et direct, il a stunné et il a tué direct le personnage de Petit Lee. Je rappelle que c'est en FT1, ça va aller très très vite. Allez, sans pitié, Cactu. Mais Petit Lee qui a bien fait son retard dans ce deuxième round. Il l'a bien enchaîné. Boule en l'air, bien joué, confirme en pied. Et le Messatsu Guhadu qui fait très mal. Et Petit Lee qui revient un round partout. Qui va être le premier joueur qui va tirer la carte. Ah là là! Trop de coups perdus. Voilà, Deli Patak à l'infini, il comprend pas. Cactu qui doit absolument. Ah, la super entière et ça tue. Alors, bien joué. Petit Lee qui reste sur table. Cactu qui peut tirer. You can take one card. You have to keep it secret for you. Yeah. Choose anyone. Et mais. Alors, Bikem, ouais, mais le problème, c'est que tout le monde voit. Hein. Donc, non, montre-lui et explique-lui la carte. Ok, donc, you have this card. If you want, you can use it. Regarde s'il y a écrit avant le match ou pas, en fait. Par contre, comme vous êtes l'équipe adverse, faut pas que vous regardiez la carte. Bah oui.
Ah oui, non, vous voyez pas, c'est que, faut pas tricher, les amis. Donc, Beckham, tu... Ah, c'est très bien, c'est automatique. Voilà. Non, eh, Beckham, garde pour la surprise, you keep it. Ok, prochain match, donc ça va être Tilly pour l'équipe bretonne, qui va jouer contre Souli. Donc c'est parti, next match if you want. Ah oui, là je crois qu'il faut reset le perso, mais la borne est en free play mais pas en match event. Ouais, c'est quelque chose qu'il va falloir changer. Faudrait appeler Fredo pour mettre en match event. Alors bien entendu, hein, ça compte pas, hein, c'est parce qu'en fait il devait changer le personnage. Donc c'est parti pour le prochain match. Tu la mets pour eux là. Alors Souli qui est un joueur de Gouki. Donc on va voir son niveau. Qui joue le Gouki bleu. Ah, ça commence très très fort. Tilly qui attaque bien. Mais Souli, voilà, qui revient dans le match. Ça met des boules en l'air, bah gros point. Le Tatsu, il se fait quand même choper. La boule, il l'a bloqué dans le coin. Bien joué. Sous arrière pour esquiver le pressing. Bien joué ça. Le dive. Pour l'instant, les joueurs sont à peu près... Ah, bien joué, le dragon qui punit. Le Artatsu, le bloc qui n'a pas puni entièrement. Le gros point, le bloc, c'est bien, ça se renvoie les coups. Mais pour l'instant, avantage à Ptili. Est-ce que Ptili va se traquer? Eh bien joué! La super en anti-air. La base des jeux de combat. En anti-air. Ptili qui est unleash. Hein. La Bretagne qui est totalement présente dans ce God of Fight Ratio Cup. J'en perds mon latin. Bien joué le dragon. Bien joué la shop. Tilly qui fait du mind games simple mais qui est efficace. Ah, il a pas puni le petit dragon dans le vent. Très mobile, le moyen pied Tatsu, il enlève la vie. Tentative de shop dans la téléporte. Le bloc, bien joué la shop. Souli qui... Ah là là, il se fait punir. Le moyen pied boule. Tilly qui mène totalement, il veut faire la même face que tout à l'heure en entière. Et ça passe. 2 points pour l'équipe des Bretons. La Bretagne en force dans ce God of Fight Ratio Cup. Hey, j'ai plus de salive, c'est ouf. Il fait 33 degrés dans cette salle. Alors attendez. Pendant ce temps-là, Cactu, if you want, you can. Non, you. Just. Yeah, you have to wait before we say start for the. Il choisit une carte. Ouais, il choisit une carte. Alors, bien entendu, hein, tous ces matchs seront éliminés au montage. On pourra les laisser, hein, ça vous fait. Mieux vaut qu'il la garde pour après. Non mais là il y a jamais là, c'est mortel, ça fait mortel. Donc les Anglais ont tiré la deuxième carte, donc vous pouvez tuer le personnage jusqu'à ce qu'il puisse prendre son Q. Bravo! En Bretagne, on sait faire le Shengoku Satsu! Allez, c'est parti pour le troisième match. Alors, pour l'instant, ils n'utilisent pas de carte. Ça pourrait, ouais, effectivement. Alors, c'est parti pour le troisième match. Alors, je vous préviens, vous avez un gros Q. Hein. Le Q de Az, c'est l'un des meilleurs Q européens. Donc ça se trouve, il peut-être vous striker. Donc faites attention. Allez, c'est parti pour ce troisième match.
Je rappelle qu'on est dans le God of Fight Ratio Cup. Ah mais c'est ouf hein. Le God of Fight Ratio Cup. Et Az a pris. Oh là là, Az qui punit, qui fait très très mal. Il a fait. La vanne, il fait mal. Oh là là, en ex, il a mis stun et ça tue. Quasiment perfect. Az qui fait très mal avec son Q qui a bien training en Angleterre chez nos potes de Freeplay City, la salle d'arcade. Heureusement que les Anglais continuent de jouer au jeu. Dédicace à tous nos potes qui sont restés en Angleterre. Shin George, Alray. Oh là là, la super qui est passée dans la gare. Petit Tatsu Dragon qui fait pas Superman. Tentative de super entière, mais ça fait pas mal sur Az. Bien joué Az qui fait le petit point pour repousser en l'air. Le bloc à tentative de chop. L'hélicoptère, c'est bien Tilly qui est très très mobile. Bien joué la le bloc en l'air. Ah, il veut placer. Bien joué, punition, tentative de dash up. Il met la pression. Oh là là, il rattrape en l'air. Et la claque ex. Et l'équipe anglaise qui marque son premier point. Et l'équipe bretonne qui va pouvoir tirer une carte. Alors la carte, tu peux la redonner, c'est les Français. Je pense qu'ils savent lire. Ils vont y arriver, je pense. Alors là, c'est totalement stratégique. Là, là ils ont une carte. Ah, ils ont tiré une carte sale. Mais alors, attends, ça dépend s'ils peuvent la jouer maintenant ou pas. Donc c'est parti, aucun joueur utilise sa carte. Et c'est au tour de Aurel qui va jouer avec sa Makoto. C'est parti, Makoto versus Q. Sur le papier, normalement, avantage pour Makoto. Et ensuite, Az, un très très bon Q. Est-ce qu'il va striker cette team bretonne? Est-ce que la Grande-Bretagne sont les dignes héritiers des Celtes? Aurel qui fait son retard. Bien joué, Mitty, Chop. Bien joué. Le Hayatex qui a touché, bien joué, Sovit, Chop. Aurel, bien joué, et c'est pas puni, Max. Tentative de Chop, voilà, Aurel qui s'enfuit. Ah là là, il a pas confirmé. Az. Bien joué, ça, le Tsurugi. Le bloc, ça agresse bien. Aurel qui est très mobile et qui remporte ce premier match. Enfin, ce premier round. Voilà, c'est bien ça. La super, et c'est passé. Les phases à l'ancienne, Nip Attack dans le vide. L'école rennaise, l'école bretonne. Tout ce qu'on aime, le port. Bien joué, Ayatex. Il a bloqué dans le coin. Bien joué, Dash Up. Il remet au sol. Az qui a du mal à s'en sortir. En tout cas, Aurel qui est totalement là, qui confirme qu'il est l'un des joueurs à craindre dans ce tournoi, dans le ado qui aura lieu, bien entendu, demain. Voilà, c'est bien Dashop. Et normalement, la team anglaise était censée être éliminée, mais je laisse Cactu montrer la carte à ses adversaires. Et Cactu a la carte Resurrection. Donc les Anglais qui vont pouvoir recommencer en revanche. Vous avez votre carte. Et là maintenant. Là ils sont tous vivants. Ah bah ouais. Resurrection. Eh non, Resurrection. Donc là, vous allez refaire le versus. D'accord. Donc là, Junken de nouveau. Junken de nouveau pour savoir le choix du commencement. Attends, attends, viens, attention. Est-ce qu'on rejoue tous ou je suis mort? Non, 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 vous rejouez tous. Non.
Non, mais vous, vous avez gagné, vous êtes sur table. Alors, les Anglais envoient directement Az. Tout le monde revit. Oui, oui, bah vous avez gagné. Là, vous repartez comme si c'était à zéro. Alors, attention, l'équipe bretonne va jouer une carte spéciale. Ils vont jouer le Meteor Strike. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que s'ils arrivent à tuer Az, toute l'équipe est éliminée. If they win against Az, your team is out. Pour eux, oui. Ah non. Ah ouais, c'est... Non, parce que c'est Meteor Strike, ça tue. Attention, donc la team bretonne a décidé de renvoyer Aurel, qui avait fait le taf lors du premier de la première rencontre. Donc là, tout va se jouer maintenant. Les scores sont à zéro des deux côtés. Et là, c'est un death match, en tout cas pour l'équipe bretonne, qui doit absolument tuer Az. Et pour l'instant, qui mène. Bien joué, gros point Ayaté X. Voilà, c'est bien ça. Tentative bien jouée, Lipata, qui est premier round. Bien joué, Sauvid. La pression. Aurel qui est très agressif. Bien joué, les claques. Ah, c'est bien, ça déchoppe bien. Q qui a sa super, la SA2 qui fait très mal. Je pense qu'il va vouloir bien la placer. Mais le problème, à force de vouloir trop attendre, va-t-il laisser l'occasion d'Aurel de l'agresser? Bien joué, Sauvid Chop. Bien joué, la balayette. Ah là là, ça chope. Gros point, il a raté, il a raté. Ah là là, ça met la pression. Az qui doit faire quelque chose là. Le Tsurugi. Bien joué, le petit pied. Aurel qui agresse pour l'instant, qui mène totalement. Ah là là. Az qui n'est pas dans son match, il veut placer la super. Il l'a pas placé. Il veut choper, ça n'a pas chopé. Le saut vide. Ah là là, il n'a pas confirmé. C'est chaud. Ah là là, c'est terminé. Aurel qui qualifie son équipe. Et bien joué aux Anglais qui malheureusement ont été éliminés. Voilà le check. Voilà, du respect, c'est bien ça. Eh ouais, le Meteor Strike, hein. Ça fait le taf. Donc très très bonne utilisation de l'équipe bretonne du Meteor Strike. Et bien joué à nos amis anglais. Qui se sont quand même bien battus. Et donc on va appeler la prochaine équipe. Donc ça va être l'équipe France versus les Suédois. La France versus Suède. J'appelle la France versus Suède. Non, c'est les cartes qui restent. Donc je vais appeler les deux capitaines, à savoir Zerog et Victor. Donc mettez-vous devant la caméra principale qui est juste là. Bécam, est-ce que tu peux les guider pour qu'ils soient bien au centre de la caméra? Voilà, parfait. Donc vous allez faire le Janken pour déterminer. Alors qui a gagné? C'est les Suédois. Les Suédois, donc you can choose to know which player or which side you want to play. Ok, donc les Suédois vont jouer au player 2. Et donc la team France. La team France jouera de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un Maturin ou un Real Kansou ici? Les mecs, ils se partent.
Alors, petit commentaire de notre organisateur en chef, Met. Le Géo. Non, j'ai aucun commentaire. Il fait chaud ici. Ah, mais c'est... J'essaie de venir le moins possible. Bon, voilà, on va enchaîner, donc. Ouais, t'es beau, t'es comme c'est beau. Ouais, t'as vu ? Avec le t-shirt de ma femme. De bronzage. Vive la Crète. Donc, je vous rappelle que dans ce God of Fight, il va y avoir la team suédoise qui va affronter la team France 1. Est-ce qu'on va vers un affrontement peut-être final France-Bretagne ? Donc, c'est parti. So, you have choose the side. So, now you have to say which player you send. Donc je rappelle que dans ce God of Fight Ratio Cup, la team Bretagne a éliminé les Anglais grâce à une utilisation très stratégique des cartes. Et j'ai la chance d'avoir mon ami Bicam qui m'aide dans l'organisation de ce tournoi avec un beau cadeau à la clé. Allez, c'est parti. Le premier match de... ce France-Suède avec Zerog qui sort son Hugo contre le Oro de Massinello. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la scène 3-3, ces deux joueurs ne jouent absolument pas ces players-là. Allez, c'est parti. Bien joué, Zerog qui bloque bien. Il s'est pris une petite boule, mais ça ne fait rien. Hugo est l'un des personnages avec le plus grand stamina dans 3-3. Bien joué, le body. Voilà, saut vite, tentative de chop ou de claque. Pour l'instant, Oro... Ah, peut-être l'erreur. Bien joué, le palme dans la garde. Massinello qui va devoir faire très très attention puisque Hugo fait très mal. Bien joué, de nouveau le palme. Le saut, tentative, bien joué. Et pour l'instant, au niveau du trade, c'est Zerog qui s'en sort plutôt bien. Voilà, bien joué. La balayette, la boule n'a pas touché deux fois, malgré le coup en ex. Tentative de palme, voilà sa zone. Massi qui fait petit à petit son retard, mais qui se reprend encore du trade. Bien joué. Le body press. Et Zerog qui remporte ce premier match. Voilà la claque. Enfin plutôt le moyen point, la boule X qui gratte. Voilà ce gros pied. Le gros pied qui fait casse-garde. Bien joué le combo. Bien joué là. La barre de stun qui a monté rapidement. Bien joué le palme qui a rattrapé en l'air. Le palme confirmé avec le Hammer Mountain. Le body press en confirme Sami Stan et Zerog qui tue Massi dans ce premier match. L'équipe France va pouvoir, avant de jouer, tirer une carte. Victor ou Massi, vous pouvez tirer une carte. Ah oui, les Suédois ont changé de côté en fait. Ils m'ont fait un mind game. Et le prochain joueur qui va être envoyé, ça va être Victor. Victor, très gros joueur de la scène 3-3 française, qui s'est élevé au rang des top players après des années et des années de squat. Et qui va jouer Necro. C'est parti, Victor qui charge, bien joué. Oh là là, ça joue direct, ça punit le gros point de loin avec le Lariat, le monster Lariat. Bien joué, ça bloque, mais non, ça bloque pas toute l'électricité. Voilà, le moyen point, bien joué, c'est bien ça, ça bloque. Petit pied pour casser directement l'électricité, le bloc, zéro qui maîtrise parfaitement les blocs, bien joué. Le 3-6 en punition. Bien joué le bloc, tentative de l'Ariati, il était trop loin. Bloc rouge, zéro qui fait le spectacle pour l'instant, drill kick. Victor qui n'arrive pas à trouver l'ouverture, le saut vide. Ah là là, il se rapproche et bien joué le bloc, claque. La team suédoise qui est totalement unleash avec Zerog qui fait le taf en jouant Hugo.
Je rappelle que dans les règles du God of Fight, Hugo fait partie des low ratio, d'où l'intérêt justement de le jouer. Pour l'instant, Zerok fait totalement le spectacle et Victor a du mal à se rapprocher, à trouver l'ouverture. Il essaye de grappiller petit à petit. Bien joué, le Frankenheimer en chope qui fait mal. L'électricité bourrinée, bien joué, qui touche, mais qui ne fait pas damage max. En sachant que Zerog a joué, a pris la SA1, le Gigas Breaker. Le bloc, mais non, il peut continuer à l'infini. Je rappelle que Hugo est ratio 1 dans cette ratio cup. Et Necro est ratio 2. La stratégie de Victor commence à payer. Il a grappillé petit à petit la vie. Le bloc, le Lariat X, il se rapproche. La claque, la balayette, 28 secondes. Le body press. Zero qui fait son retard. 22 secondes. Va-t-il remonter? La claque. Maintenant, s'il passe la super, il peut tuer. Ça va être comment? Il va passer la phase. Il reste 13 secondes. Il se rapproche. Le body press. Tentative. Victor qui fuit. Le drill kick. Et non! Et non, il ne va pas remporter. Et non, c'est terminé. Victor qui a assuré la victoire à l'arraché au time over. Au time over, ça joue le time over. Ça stresse ici. C'est le God of Fight Ratio Cup. Bien joué le Palm qui punit. Zerog apparemment qui connaît le match-up. Bien joué le Electric Snake. Et non, c'est passé dans la garde. Mais bien joué le gros pied qui touche de loin. Le drill kick, c'est bien ça. Ah, c'est passé. Et non, il a tenté le bloc rouge pour sortir de la pression de la super. Pour sortir du bloc stun. Ah là là, de nouveau, tentative de bloc rouge. Je pense que c'est pas passé. Il sait que c'est le seul moyen de pouvoir placer la super en réaction. Pour l'instant, il se fait grappiller la vie. Et Victor qui est en train de faire son retard, il reste 50 secondes. Zero qui a le Gigas Breaker. Victor qui a une barre de super. Le drill kick qui repousse. Zero qui se rapproche petit à petit, il veut faire le body press. Et Victor qui s'enfuit avec le drill kick, le tornado qui se fait punir par le moonsault press. C'est chaud, c'est chaud. La super en entier, c'est bloqué. Ça n'a pas gratté. Victor qui est super mobile, qui gratte de loin, 22 secondes. Victor qui gère totalement cette fin de match, tentative désespérée. Deux dash super qui n'est pas passé. Et l'équipe, voilà, et ça chope. C'était sale, mais ça a joué pour gagner. Et Victor qui assure la victoire. Zero qui va tirer une carte. Il tire cette carte. Donc Big Cam va leur traduire la carte. Alors, Bicam qui va venir me voir. Donc les Suédois sont en train de réfléchir sur la meilleure stratégie à faire. Allez, c'est parti. Les Suédois envoient leur prochain joueur. Je crois que c'est FJZ qui joue Ryu. Voilà, c'est parti. Prochain match. Pour l'instant, on est à un partout. Bien joué le drill kick. Oh là là, le dragon qui a puni sans pitié. Gros point, bien joué. Moyen pied, Shaku Netsu. Le moyen pied, le gros pied en zoning. Saut vide, l'électricité, bien joué. Oh là là, ça fait mal. Victor qui a bientôt mis stun, il connaît ses match-up. Il a l'habitude de jouer. Bien joué le Tatsu pour sortir du coin. Le petit pied, le Tic-Tro. Oh là là, le confirme. Et Electric Snake. Bien joué la balayette. Le tornado hook dans le vide. Bien joué la balayette de loin. Ejiza qui joue le Denji Naduken. Bien joué, moyen pied, balayette. Victor qui sait qu'il peut punir avec le target au corps à corps. Ah, la confirme dans la garde. Mais non, ça repousse, bien joué. Le dash. Voilà le Denji. Décalé, presque stun. Le tournant du match. Et non, Victor qui gère parfaitement. La barre de stun qui se déstun petit à petit. Bien joué, gros pied, son gros pied. Mais FJZ qui gère actuellement. Il est un petit peu en avance, mais il doit faire attention. Bien joué. Ah là là, le Tatsu qui a puni.
La chope, il a bloqué dans le coin, le drill, au corps à corps, le bloc, gros point. Bikem, je crois qu'il a envie de faire les commentaires, il est chaud là, il est chaud là. Ah là là, le confirme, Electric Steak, quasiment moitié de barre, le gros pied, et non, le combo n'est pas passé entièrement, heureusement. Le gros pied en décalage, chop, ça vient d'échopper, mais pour l'instant, Victor qui gère totalement dans ce dernier match. Le drill kick, il a esquivé en ce temps, mais non, il y avait encore des hits. Le petit pied hélicoptère pour sortir, il a réussi à s'en sortir. Le drill kick encore dans la garde. Moyen pied boule. Tout va se jouer maintenant, bien joué, le trade. Et ça punit. Victor qui remporte encore un match. Et nos amis suédois qui peuvent tirer. If you want, you can take another card. Alors, Zerog, do you want to use one of your cards now or not? No? Ok. Ok, donc ils n'utilisent aucune de leurs cartes. Et je rappelle que... Ok, ils vont peut-être utiliser une des cartes. Vas-y, prends la carte. Ils utilisent le Byakugan X. Le Byakugan X, ça signifie qu'ils peuvent prendre la carte de l'équipe France. Bon allez, c'est parti. Victor qui a un match de qualifier sa team pour la grande finale. Allez, c'est parti. Tous les efforts sont sur RC. RC qui va jouer Urien. Donc il y a moyen avec Urien de faire quelque chose. Et c'est parti pour peut-être ce dernier match. RC qui a dashé le tornado qui n'a pas touché entièrement. Pour l'instant, Victor, voilà, c'est bien. Voilà, ça bloque bien. Il y a du level. Le drill kick dans la garde. Le shoulder. Bien joué, le confirme. Petit pied. Electric Snake, la base. Le gros pied au corps à corps. Ah là là, ça fait mal. C'est bien le tornado avec le combo. Le stun combo. Et c'est terminé pour ce round avec le tornado hook de Victor. Ah, Victor, c'est l'un des meilleurs joueurs français. Hein. Le drill kick, il maîtrise parfaitement Necro. Je suis fier de l'avoir vu grandir au Versus Dojo. Alors qu'au début, il voulait jouer Chun-Li. Je l'ai dissuadé de prendre la voie du côté obscur. La voie du mal. Ah, l'électricité plus... Voilà, c'est bien la punition. Le tackle X, la Spartan Bomb, voilà. Le terrible smash. Et RC qui a fait son retard dans ce deuxième round. Voilà, c'est bien ça, le miroir et le terrible smash. RC qui revient. Voilà, le tornado hook dans la garde. Un round partout. RC, voilà, c'est bien. Saut, gros pied, gros point. Voilà, c'est bien le chariot. Le Aegis, le terrible smash encore. La boule pour l'empêcher de sauter, bien joué. Ah là là, c'est bien ça, le gros point. Le confirme dans la garde, ça n'a pas fait mal. La grande balayette qui a repoussé loin. Tentative de chop, bien déchopé. Le chariot, ah, la punition. Victor qui n'a pas laissé passer plus de la moitié de la barre. Le miroir avec le combo terrible smash. Et très bonne garde de Victor qui se fait gratter encore. Et non, ça n'a pas confirmé, il n'y a pas encore la super. Il a la super boule. Miroir, il s'est mis à distance. Et Victor qui va tirer une carte. Qui va tirer une carte pour son équipe. Est-ce que ça va être une carte intéressante pour ton équipe? Attends, Billy Kane. Allez, c'est parti. La Suède qui revient à deux partout. Ça va être le dernier match. Et après, on aura l'affiche de la grande finale. Est-ce que ça va être une finale 100% française avec la France versus la Bretagne? Bien joué. Et on a Billy Kane qui a sorti son Alex. Ça fait plaisir. Bien joué, le gros point. Ça fait mal. Tentative de bloc. Tentative de saut vide. Voilà. Le body slam, le power bomb. Il va faire mal, gros point, voilà, claque, ex, ça va vite.
Billy Kane qui a un Alex. Grâce au God of Fight, on l'aura découvert en live. Voilà, c'est bien. Le dash, le lariat. Sauvite, bien joué le lariat. Le moyen pied, tentative de chop. Billy Kane qui joue en mode tranquille. Voilà, c'est bien. Il gère, il est dans le coin. Bien joué le bloc, bien joué. Le elbow avec le R. Knee drop. Voilà, c'est bien l'épaule. Il est tranquille, Billy Kane, il gère. Et l'équipe suédoise qui est finalement éliminée. On peut applaudir les Suédois. On peut les applaudir bien fort, ils ont bien joué. Alors, la Team France, vous gardez vos cartes. Par contre, les Suédois, it's over. Et maintenant, la grande finale. La grande finale qui va être franco-française. Ah non, Zouzou qui dit non. La Bretagne, ce n'est pas la France, c'est ça. Voilà, une nation séparatiste, communautariste, qui mangeant des crêpes. Bon allez, c'est parti, j'appelle les deux capitaines à venir. C'est qui le capitaine chez vous ? Victor. Et on a la chance d'avoir Funky Child, qui est bénévole et qui fait partie de la team HFS avec son fils, je pense. Il a ramené la famille, le fils est là. Funky Child qui va animer, qui va gérer les tournois demain pour le ado. Donc, quelqu'un d'important. Donc merci à toi pour ce que tu fais pour la communauté, Funky. Et donc on va voir le prochain match. Donc il y a eu le Shifumi. Et donc on va voir donc la team France qui va jouer en premier player pour cette grande finale. Attention, OZL va pirater le stream. Mesdames et mesdames, le top 8 de Garou va commencer. Les joueurs qui sont qualifiés sont invités à aller dans la salle à côté pour pouvoir poursuivre ce top 8. Merci. Oui, Garou. Oui, le top 8 de Garou. Voilà, ça y est, c'est parti. La grande finale du God of Fight Ratio Cup avec la France versus la Bretagne. Et pour l'instant, la Bretagne qui gère. Mais la France n'a pas dit son dernier mot avec le Euro de Massinello. Bien joué la boule. Le combo, la chope. Bien joué le Yagyudama. Ça a placé la blocable, ça passe. Est-ce qu'il va mettre stun à la fin? Et non, il a raté son combo. Aurel qui chope. Bien joué. Pour l'instant, Aurel qui est totalement à la ça a piffé. Punition directe. Tentative de lip-attack. Il reste zéro de vital, ça va vouloir peut-être gratter. Et non, c'est saut en l'air, gros pied. Ça n'a pas le temps. Je rappelle que c'est le dernier match qui va déterminer qui va être l'équipe gagnante. Donc je rappelle aux deux capitaines d'équipe que c'est maintenant encore que vous pouvez utiliser vos cartes. Et après, ce sera terminé. Bien joué le Fukiage. Ah là là, ça met des pifs. Punition, la super. Aurel qui prend une option dans la victoire dans ce match. Et déjà un point pour la Bretagne. L'équipe de Victor qui va pouvoir tirer une carte, qui se presse à tirer la bonne carte. Je vous rappelle les amis que vous pouvez utiliser les cartes, que c'est le dernier match. Victor le capitaine, utilisez-vous votre carte ou pas? Alors, la Team France, est-ce que la Team France va utiliser sa carte? Alors la Team France, attention, ça joue stratégie. Pour l'instant, la Team France garde sa carte. Donc prochain match, ça va être Billy Kane et son Alex versus Aurel et Samakoto. C'est parti. Je rappelle qu'il y a 1-0 dans cette grande finale du God of Fight Ratio Cup. Allez, c'est parti. Tentative de balayette. Voilà, le Ayaté, la balayette, gros point, bien joué. Ça chope.
Bien joué. Moyen pied, claque, ex. C'est bien ça. Tentative de pression dans la garde. Le Tsurugi qui n'a pas touché. C'est bien la chope. Claque, ex encore dans la garde. Voilà. Milliken qui va lire. Rit pas assez. Il se fait choper. Aurel qui a pris l'avantage. C'est bien le stomp qui a fait mal. La feinte, le powerbomb. Ah là là, il a peut-être gagné. Milliken qui essaie, bien joué le bloc. Ah là là, le elbow qui a dû sortir automatiquement. Une erreur et Aurel qui remporte ce premier round. Bien joué Dash Shop. Voilà la punition, le gros point. Aurel qui est totalement unleash. Il met la pression, voilà la Shop. Le gros point, Ayatex. La super qui est passée dans la garde. Gros pied, voilà stun. Aïe, ça punit pas, ça termine pas. Tentative de Shop. Et non, Billy Kane qui a du mal là, il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Bien joué ça, le headbutt, ça fait mal, mais va-t-il refaire son retard? C'est compliqué, le Fukiage qui n'a pas touché. Billy Kane qui bloque dans le coin pour l'instant, il a presque mis stun. Le headbutt, est-ce qu'il va mettre stun? Il n'est pas encore mort, c'est la fin et ça a tenté son pif. Meurs pas sans ton pif. Et oui, même les grands joueurs, ça leur arrive de faire un petit peu de pif. Et Aurel qui remporte ce prochain match. La team de Victor qui a la carte. Tu peux leur donner, hein, je pense que... Bon les amis, c'est le tout pour le tout. Hein. C'est votre dernier joueur. Dernier match. Pour l'instant, il y a 2-0 pour la Bretagne. 2-0 pour la Bretagne. Alors je rappelle qu'il est possible de faire des combos de cartes. Je sais pas quelles cartes ils ont. Victor, vous n'utilisez pas de cartes. Ok. Ça ne joue pas les cartes, ça les conserve, c'est stratégique. Parce qu'ils savent que peut-être ils auront plus dur à faire après. Ou peut-être que Victor pense qu'il peut y arriver. Là, c'est peut-être la balle de match. Est-ce que Aurel va réussir l'exploit de striker la Team France à lui tout seul? Pour l'instant, il est bien parti. Bien joué le Tornado Hook. Voilà le gros pied en entière. Bien joué Victor qui connaît ses forces. Mais il se fait choper. Mais pour l'instant, il gère. Il a vidé la moitié de la barre. En 15 secondes, le drill kick. Le Tornado qui est en follow-up. Bien joué l'électricité. Et non, cancel. Ça n'a pas touché. Le drill kick de nouveau. C'est bien ça, Victor qui grappille petit à petit la vie d'Aurel, il le gère à distance. L'électricité dans la garde, Victor qui gère, il maîtrise son match-up, Aurel qui a du mal, le Tsurugi qui est passé, la super en punition. Et Victor qui remporte ce premier round. Je rappelle que Victor va avoir fort à faire pour l'équipe France. Puisqu'il est le dernier joueur, le confirme Electric Snake. Tornado Hook, bien joué l'hypatac, drill, kick. Il met la pression à Aurel, voilà, c'est bon. Aurel est sorti de la garde. C'est chaud, c'est chaud. Bien joué. Le drill kick à l'infini. Ah là là, ça a mal puni. Ah là là, le Hayate dans le vent, il se fait choper. Le drill kick, la pression. Drill kick à l'infini. Bien joué. Et Victor qui sauve. Qui sauve une balle de match. L'équipe Bretagne qui prend une carte. Vont-ils l'utiliser? Quel sera leur prochain joueur? Là, il y a les stratégies qui se mettent en place. Non, non, plusieurs cartes. Alors, attention stratégique, Bicam, tu peux montrer la carte à nos spectateurs. La Team France va utiliser le Byakugan. Ça leur permet de regarder toutes les cartes de la... Alors, je crois que c'est juste une carte ou toutes les cartes. Alors, ils peuvent regarder une carte. Alors, donne-moi la carte déjà, celle-là.
Ah, alors celle-là. Parce que, je t'explique ce qu'on a compris. Mais vu que c'est un malus, en fait, on assiste à ne pas l'utiliser. Alors non. Alors c'est sur l'adversaire. Ah. Ah, bah ouais. S'ils font moins de la note, ils perdent le match. Est-ce que vous utilisez la carte? Je mets tes affaires là. Ok. Moi je vais bouger. Ok. De toute façon pour aller au Utilise la carte. Oui, t'inquiète. On l'utilise, on la voit direct. Bah ouais. Bonjour. Et la Team Bretagne, qui sont les organisateurs du Judgment, utilise la carte Judgment. Attends, est-ce que ça peut jouer sur la 3? Est-ce que ça joue sur la 3? Il y a écrit. Hein. Et l'équipe de Victor qui utilise le Aegis Reflector. Et donc, c'est le Judgment pour votre équipe. Et là, ça va être dégueulasse. Donc c'est vous qui devez... Là, on est dans du pur guac, là. Là, on est dans du pur guac. Exactement. Il va y avoir la Judgment Wheel à tourner. Donc je laisse un des membres de l'équipe de Bretagne d'appuyer sur le bouton pour connaître votre destin. Il y a quand même du B. Attention. La carte Judgment. Heureusement que la team de Victor avait le Aegis Reflector. Il doit faire MSF pour gagner le match. MSF. 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 Ah. Bon, comment vous dire? Comment vous dire? Ça va être... Hey, ça va être un petit peu chaud. Ça va être un tout petit peu chaud. Très très bonne utilisation de la Team France qui a bien utilisé ses cartes. Thierry qui doit absolument faire MSF pour gagner. Hey Thierry, il y a moyen. Allez, c'est parti. Tilly qui doit faire MSF. Sinon, c'est mort. Donc, il ne doit pas spammer des coups dans le vent. S'il fait une grande remontée, il peut y arriver. Bien joué, bloc. Bas gros point. La boule qui n'a pas touché. Voilà, Victor qui agresse. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas le système de notes de 3-3, il y a 4 items. L'attaque, la défense, le tech... Et le XP Point. Le XP Point, c'est la capacité de revenir dans le match. Chose que malheureusement, Tilly ne fait pas dans ce round. Donc là, la note, déjà, il faut qu'il gagne pour avoir une note. Hein. Et surtout, là, il faut qu'il gagne en beauté. Et là, pour l'instant, il se fait totalement punir. Ah là là, c'est juggle à l'infini. Alors que c'est peut-être Victor qui lui va faire peut-être une bonne note. Tentative de chop. Bien joué l'électricité. Le shoulder bazooka, bien joué le combo, ça n'a pas touché entièrement Electristech, mais pour l'instant Victor qui a une bonne option de victoire. Là c'est sûr et certain que Ptili ne fera pas MSF, le drill kick, la pression, la super, dans la garde, le elbow, le drill kick et Victor qui expédie ce match et qui revient à deux partout pour la Team France et qui met C++. La Team Bretagne qui va tirer sa dernière carte, qui peut être une carte très très sale. Et la Team Bretagne qui a tiré. Donc vous n'utilisez aucune carte. Allez, c'est parti pour ce dernier match. Bien joué, la chop. C'est bien joué la chope de nouveau. Tentative de hip attack, drill. Moi je joue l'électricité.
La joueuse la confirme. Et Victor qui remporte ce premier match. Bien joué le Frankenheimer. Le Drick pour passer dans le dos. Zouzou qui a du mal. Bien joué. Et la punition. Tornado Hook. Electric Snake. Voilà, c'est bien là pour l'instant. Victor qui mène totalement. Zouzou qui a du mal. Zouzou qui a l'habitude de jouer Ryu. Bien joué le Dragon Smash. Le Drill Kick. Bien joué Dragon Smash de nouveau. Voilà le drill. C'est bien. Ça chope. Bien joué le dash. Voilà le tornade. Le Dragon Smash au pif. Et le combo. Mais la team Bretagne a un atout dans sa manche. Et ils vont utiliser le cross counter. Ça veut dire que même s'ils perdent, le joueur de l'autre équipe est aussi éliminé. Et comme vous êtes à votre dernier personnage, vous allez devoir faire un extra match avec la sélection d'un joueur de votre côté et eux de leur. Bah vous choisissez le meilleur de ce côté-là et le meilleur de ce côté-là. Je rappelle qu'il y a 3 partout dans chacune des équipes, France, Bretagne. Donc il y a un reset. Et maintenant, c'est la sélection d'un joueur. Donc la team Bretagne a choisi son joueur. Et la team France, quel joueur allez-vous envoyer? Victor. La team Bretagne. Et c'est parti. Victor versus Aurel. Le dernier match de la grande finale. Et ils n'utilisent pas leur carte. Attendez. Attention. Oui, normalement, vous tirez une carte. Oui, non, mais vous pouvez pas tirer une carte quand vous mourrez pas. Oui, non, mais c'est par rapport à un effet de carte, en fait. Donc, vous utilisez une carte. Ok, donc... Oui. Tu peux, si c'est le dé. Là, c'est comme on vient de la session d'avant, on a utilisé cross counter, on a pris cette carte, on utilise cross counter, donc là ça fait reset de bracket. Non, c'est pas reset de bracket, là c'est extra match, et si c'est la carte que je pense, tu pourras pas l'utiliser. Parce que c'est celle-là. Ah, si, ça tu peux. Voilà, c'est quoi la carte? En fait, si on va utiliser cette carte pour cache. Alors attendez! Vous utilisez quelle carte contre eux? Alors attendez, vous, c'est quel joueur que vous envoyez? C'est Aurel. Donc vous utilisez la carte contre Aurel ou pas? Vous utilisez la carte contre Aurel ou pas? Ok, donc quelle carte vous utilisez? Dans un premier temps, celle-là. Donc ils utilisent la random. La random SA. Donc random SA. Donc Aurel, tu vas devoir tirer la SA au pif. Attention! Alors Aurel va jouer déjà la SA3. Donc déjà c'est fun. Donc là, l'équipe de Victor utilise la carte. La Carawheel, c'est ça? C'est Player Select? Ah d'accord. Du coup nous on l'utilise. D'accord. Et donc c'est Massi qui va y aller. Ah, ok, alors attendez. Attention. Attention. Donc vous avez utilisé la Player Select pour choisir le joueur qui sera envoyé. Donc ça serait normalement Massi, donc je peux avoir la carte. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Oh les bâtards! Oh les bâtards! Là c'est trop sale! Là c'est trop sale!
Ils ont la carte Counter Pick et uniquement pour ce match, Massy peut choisir le caractère de son choix. Et je pense que Massy va utiliser Youn. Ah là là, qu'est-ce que c'est sale. Très bonne utilisation des cartes. Massy qui va jouer Youn spécialement pour ce match. Et Aurel qui va jouer Makoto, mais en SA3. Alors, il s'est trompé de personnage. Massy, tu vas jouer quel perso? Youn. Allez, c'est parti. Aurel qui doit tuer donc le Nécron et laisser Massy prendre son perso. Voilà. Aurel qui s'entraîne. Voilà. Allez, c'est parti. Pour ceux qui veulent voir du spectacle, c'est la grande finale du God of Fight avec Massy pour la Team France versus Aurel pour la Team Bretagne. Massy qui va jouer Youn. Aurel qui va jouer Makoto SA3. Et Massy qui va jouer le Genaijin. C'est parti. La grande finale en un match. Un match gagnant. Massy qui est normalement dans son élément. Tout va jouer maintenant. Quel joueur va qualifier son équipe pour l'instant? Gros avantage pour Massy qui place le moyen pied. Voilà le Genai qui est passé. Hey, hey, non, le combo n'est pas passé entièrement. Bien joué. Le moyen pied dragon. La chope, c'est bien Aurel qui a du mal à s'en faire dans ce round. Bien joué le dash. Tentative de punition du dive. Ah, le double coup en trade. Et Massy qui remporte le premier round. Massy qui a un round de qualifié. L'équipe France pour la grande finale. Pour gagner la grande finale. Bien joué le Guinée. Il place le combo. Ah, il n'a pas placé le combo masque. La super. Donc il n'est pas touché. Maintenant il n'a plus de garde. Il doit faire mal. Voilà, il doit agresser. Voilà, ça bloque. Ça fait mal. Il remonte toute la vie. Et non, mais c'est bien, il a gratté. Le fou qui a gagné dans le vent. Les deux joueurs sont coup d'un coup. Yagenei, il a passé le pomme. Le combo, est-ce que ça va tuer? Et ça tue. C'est Massy et la Team France qui gagne le God of Fight en team. Bravo à la Team Bretonne. Il y a eu du suspense jusqu'au bout. Alors bravo à la Team. Bravo à la Team France. Alors, bravo à la Team Bretonne. Alors, un petit mot du capitaine. Zouzou, vas-y, viens. Est-ce que tu peux nous dire ton... Moi, je suis fier. Je suis fier de mes teammates. Ils se sont bien battus. On a résisté jusqu'au bout. Mais le tirage de cartes était clairement défavorable. Voilà. Je mettrai l'excuse de sac sur le tirage des cartes. Merci. Bon, en tout cas, bien joué à vous. On a bien rigolé. Et donc... Donc là, maintenant, nous avons la grande équipe gagnante, donc qui est la Team France, composée de Billy Kane, Massy et Victor. Donc, étant donné qu'il y a sur le planning des FT10 qui sont prévus, on va décaler la phase finale qui est le Battle Royale de la Team France, afin que les FT10 puissent se faire. Merci d'avoir suivi. On va faire le Battle Royale plus tard, donc de retour sur le stream, pour savoir qui est le grand gagnant du God of Fight. Mais on sait d'ores et déjà, mon cher Bicam, que ça sera un des membres de l'équipe France, composé de Massy et son Oro, Bliken et son Alex, et Victor et son Nécro. Donc ça promet du très très grand match. Donc voilà, je rends l'antenne, et c'est parti pour la suite du programme avec les FT10. Les FT10 prévus, avec le gratin des joueurs de Counter-Strike. Donc voilà, je rends l'antenne.